Ça y est, on va lever les amarres dans quelques minutes. Partir, traverser le Pacifique. Pas beaucoup de vent, pas de vagues, pas de mer. L'infini de l'eau. On va à 7 nœuds. On vient de sortir le 4-0. Le capitaine est content. Ça va bien, on fait de la voile, on va bientôt fermer le moteur. On va être à voile pure. Enfin, parce que là, depuis qu'on est parti, on est tout le temps en moteur. Hop là. Allez, m'asseoir en avant. Le 4-0 est sorti. La grand voile est ajustée au vent. On la voit un petit peu. Et c'est ça. C'est ça la vie sur Vissac ce matin. On s'est recouché, on était fatigué. Puis là, on va faire des petits travaux. Projet. On va attendre que le vent augmente, mais sinon tout va bien, on est heureux quand même. Jour 3. Jour 3 dans le Pacifique. Toujours pas plus souvent. Non. Essayer d'aller trouver des activités. Fait qu'on a changé un peu notre route. Au lieu d'aller. On a fait un peu d'ouest, on a fait un peu de sud. On fait des fichiers météo. On essaie de trouver le vent. Plus de vent. .5 dans 9 nœuds de vent. C'est la première fois qu'on fait ça depuis qu'on est parti. Avec un superbe coucher de soleil. Alors, début de la quatrième journée sur Bissac. On est là, le petit point rouge. Puis c'est tout le chemin qu'on a fait. La nuit dernière, on a réussi à trouver des pointes avec du bon vent de 20-22 puis d'aller jusqu'à 10. Là, en ce moment, on va à 6.8. Ça roule. On a un peu le vent un peu dans le nez ou près à 50 degrés. Puis, ce que ça donne dehors, on va aller voir. Ah, tiens, Sherida. Ce que ça donne dehors. Ça donne ça. Thank you.
Grand Nori. Pour la traversée. On peut lire, on peut dormir. On a remplacé les coussins de cuir pour mettre des beaux matelas de lit. Fait que là, on est super bien. Ça nous fait vraiment un petit coin de repos, super accueillant. Puis moi, je dors jusqu'à 10h30 tous les matins. Quelle date sommes-nous? On est le 8 mai! Alors, c'est la fête à Sylvain. 11h, on est pas loin de l'heure où je suis né. Je suis né à midi, en plus. Puis au soleil. C'est quoi le cadeau que la fille t'a fait aujourd'hui? C'est ma chérie d'amour que j'ai vue en premier à minuit, qui est venue m'embrasser. Ouais. Et puis, c'est une belle run de bateau, là. Il fait, on va dans 17 nœuds. Tu peux monter ce tableau-là. Ici? Oui, 17 nœuds en moyenne. On fait 8, 9, 10 nœuds, dépendant des angles. On est au travers, à 76 degrés du vent. C'est calme, ça ne brasse pas du tout, ça ne cogne pas. C'est cool, ça glisse. On a un gros bateau, un bon bateau, notre beau bissac. Et puis on regarde la route, et puis là on arrive tout près des Galapagos. Là, on est ici, les Galapagos sont ici, et là on va arriver là parce que notre routeur météo nous dit qu'il faut aller là. Après ça, plonger au sud pour aller chercher les Alizés, plonger puis remonter vers les Marquises. Ça, c'est le plan de navigation. Alors la vie à bord, c'est aussi faire des petits travaux comme ça, chérie d'amour? La tête dans le trou de l'évier. Trou de l'évier. Il fait chaud. Pour débloquer une petite pompe, je vais te montrer. Une petite pompe ici en bas, là, on voit moins bien. Là, je vais faire. Tiens. Ça, c'est une petite pompe qui est bloquée. Il faut la débloquer. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole.
Exact. Super beau. On a perdu la moitié de la route du Québec. Balafré. C'est le code zéro qu'on a encore une fois eu à faire une réparation. Fait qu'on y a rajouté plein de belles petites patches. Mais là, il tient. On est bien content. Ça nous permet de sortir dans ce petit temps-là. Et des poussières. Puis là, ben, on s'apprête à vivre un moment mémorable. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va traverser l'équateur. On va marcher à tête en bas. Pour la première fois de ma vie, on va traverser l'équateur dans 27 secondes de latitude. 26 là, maintenant. On est à 94. On est, si tu montres l'écran d'en haut, à 2772 milles de notre destination. C'est grâce à une traversée de l'Atlantique, en fait. On roule à 7,8 nœuds, ça joue dans 13 nœuds de vent, à 75 degrés du vent, à peu près. Puis là, dans 10 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ça va passer du nord au sud. Donc là, il y a une tradition chez les marins, à toutes les fois qu'on traverse l'équateur, il faut popper une bouteille de champagne, de petit mousseux, puis il faut récompenser d'abord Neptune, le dieu de la mer. Ensuite, c'est le bateau, évidemment, mais les marins, les navigateurs. Donc là, on s'apprête à baptiser notre équateur. Allez hop! Yeah! Un petit peu pour Neptune. Un petit peu pour Neptune. Et un petit coup pour les navigateurs. Yeah! Il y a un chalutier devant nous, enfin à notre tribord. On passe des jours, des heures sans voir personne. Puis là, on vient de passer l'équateur. On a un chalutier qui est là. Il vient de l'équateur. On leur a parlé sur le VHF. On a échangé quelques mots. On leur a souhaité bon voyage, bonne pêche. Dans tout un retard connexe sur un bateau, il y a aussi de faire la lessive, d'aérer le bateau et ventiler les vêtements. Fait que c'est ce qu'on vient de faire. Yeah.
on devrait aller plus vite pour la prochaine, le prochain 2 semaines. Dans les Alizés, un beau soleil, ça fait du bien, il nous reste environ 1 semaine, 8 jours. Super beau. De soleil sur Pissac, une belle mer, et une belle chérie d'amour dans son petit cocon. Je pense qu'elle aime bien ça être là. On s'apprête à faire une sauce à spaghetti. Ça va être super bon. Sur le sac aujourd'hui, hein? Ouais. Mmh. On a le goût de ça, là. On a le goût de cuisiner un peu. Et on va faire les étapes de la préparation. Alors là, on coupe les oignons et les légumes. On va revenir au chaudron tout à l'heure parce que ça va être à mijoter. C'est sauce à spag time, ça, Bissac. Ça sent bon. Ça va être bon. Chéri d'amour, il fait ça avec bonheur. Oui. Ajoute toutes sortes de petits ingrédients. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela. On continue d'avancer. Doucement, tranquillement. Yum, yum, yum.
premier bateau qu'on voit depuis 20 jours. Un bateau de pêche au loin, là-bas, il est environ quoi? 1,5 mille de nous. Alors, on a eu la preuve que nos alarmes fonctionnent. Ça s'est mis à biper tout bas de côté. Là, ben, on le voit très bien. Un beau gros bateau de pêche de 57 mètres. Voilà, qui passe très bien en arrière de nous. Salut, bateau! Et beau! Je disais à l'instant que j'admirais la beauté de l'infini. Qui me confirme que ta beauté est infinie. Oh, tu me dis des belles choses. C'est vrai que c'est beau. Encore un beau coucher de soleil. On fait contre mauvaise fortune, bon cœur, on profite. On lit, on dort, on fait toutes sortes d'affaires. Une belle grosse pluie ce matin, ça va laver le bateau. C'est la première grosse pluie de genre qu'on a. Alors, session de bricolage en 1 aujourd'hui sur Bissac. On s'est fait des moustiquaires à partir de Coroplast. On s'est fait des gabarits. On a taillé les moustiquaires, des beaux moustiquaires là-dedans. On a rajouté du duct tape. Là, tout ça, ça va se mettre en place. On va vous montrer le parfait travail. Pour faire des beaux moustiquaires qu'on n'avait pas sur les fenêtres latérales. Fait que là, ça nous fait des très beaux moustiquaires, comme ça. Voilà! Bravo, Marianne! Un autre point de vue de notre beau Bissac. Là, je suis montée sur le pont. Fait que c'est ça, ça donne une autre perspective. Sur la mer, sur le bateau, la voile. Notre balafré. J'adore cette vision-là de Sylvain. T'es beau, mon beau chéri! T'es donc bien beau! J'adore ça, cette vision-là de toi. Allô?
Regarde, on en voit là, ouais! Il y en a tout un paquet, là! Ouais! Bonjour les dauphins! Allô! Vous venez nous souhaiter bravo, félicitations pour notre traversée! Il y en a vraiment plusieurs là! Plein de beaux dauphins! Il y a vraiment un gros gros bain là, même, à côté de moi là! Allô les dauphins! Allô, allô, allô! Extraordinaire! Vraiment beaucoup, 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 là! Yeah! Ben oui! Ça y est! On est arrivé! La terre, la terre, vive la terre! On est arrivé à minuit! Environ la nuit dernière. On est rentré dans cette petite baie-là. Puis, on a décidé de jeter l'ancre pas trop loin.